Golf Mag est une présentation de la forfaiterie Voyage Optimum. Cette émission est enregistrée sur les sites du Golf Health Club. À Golf Mag, cette semaine, on suit les traces de celui qu'on surnomme The Big Easy. Le golfeur sud-africain Ernie Els a décidé de choisir ses plus beaux trous et ses plus beaux parcours à travers la planète avant de s'associer et d'apposer son nom au parcours que l'on appelle ici à Dubaï The Els Club. Et c'est aussi en compagnie de notre gagnant Golf Mag 2016 qu'on découvrira ce magnifique complexe. Là-dessus, bonne émission! Construit en 2008, le Hells Club est un monstre avec ses 7538 verges à normale 72. Il offre heureusement quatre tertres de départ différents. Le Hells Club fait partie de la grande famille Troon Golf, gage d'excellence. Yes, sir. C'est parti. Yes, sir. T'aimes la plage, toi, hein? Ouais. Ah, oh, c'est beau! Wow! Ça sera pas vilain non plus. Ouais. Ah, c'est vraiment bien fait, la forme des verres. Faut tomber aux bons endroits, hein, t'sais. À partir de là, tout est en descente. Ouais. Alors, il suffit que tu tombes au mauvais endroit, puis elle peut kicker très loin. Un petit peu à gauche, hein. Oh. Ah. Si vous vous demandez pourquoi on a tous les deux un grand sourire affiché au visage, en fait, surtout lui, notre gagnant Golf Mag pour ce voyage à Dubaï, je vous le présente, François Munger, ben c'est parce que justement, il a gagné ce voyage en regardant l'émission, en s'inscrivant et en ayant la chance de voir son nom être tiré. François, d'abord, tu es originaire d'où? Originaire de Roberval au Lac-Saint-Jean. J'habite à Québec, secteur de Lévis, sur la rive sud. OK. Puis tu es un amateur de golf? Oui, amateur de golf. Je joue 8 à 10 rondes de golf par été dans la région de Québec. Pas membre dans aucun club. Je me promène un peu dans le coin. Puis évidemment, tu es un téléspectateur de Golf Mag à TVA Sport. Exactement. C'est là que j'ai noté l'indice durant l'émission de l'été, de cet été, justement. Vous étiez au club de golf de Lévis. Donc, j'ai noté l'indice. Je suis allé sur le site de la forfaiterie. Puis me voilà ici à Dubaï. Ton nom est sorti, alors tu te retrouves avec nous en vacances, en voyage, sur un terrain magnifique. J'aimerais que tu me parles un peu de ton expérience golf. As-tu déjà fait des voyages de golf? C'est mon premier voyage là, de golf, voyage de golf. J'ai joué une fois à Las Vegas avec des amis dans le cadre d'un voyage... Un voyage de boys, là? Un voyage de boys. Donc, mais sinon, c'est vraiment un premier voyage de golf. Ma blonde a commencé à jouer au golf cet été, donc ultimement, c'est sûr qu'on va probablement... Le golf va faire partie de nos prochains voyages dans le futur. C'est clair. Et c'est Sandra que tu as choisi comme accompagnatrice cette semaine, évidemment. Exactement, oui. C'est super. Hey, on a du beau temps avec nous. On a un très beau parcours à vous faire découvrir. D'ailleurs, on a déjà joué deux trous. Comment tu trouves ça jusqu'à maintenant? Le décor est superbe. Dans le désert, le vert, le contraste, j'adore. C'est incroyable la qualité du parcours. C'est incomparable. C'est super. Alors, on va poursuivre notre partie. C'est ensemble qu'on va vous faire découvrir au cours de l'émission le Hells Golf Club. Alors, es-tu prêt à jouer le trou numéro 3? Toujours partant. Je te laisse aller, mon cher. C'est bon. Le parcours est ondulé et offre des différences d'élévation importantes qui sont peu communes dans les parcours de Dubaï. Ces élévations sont stratégiques au défi, mais aussi visuellement très intéressantes, comme ici, au deuxième. C'est good. Si la distance est bonne, ça va être bon. Le gazon que vous voyez pâle, là, ici, là, ça, le grain est couché vers la pente. Fait que ça va être un putt extrêmement rapide.
Si on potait de la coupe vert ici, ce serait le contraire. Le grain retiendrait la balle. Alors que là, mon roulé, là, il va être super rapide. Et, wow, et. Tu vois, ben c'est ça. Il ralentit à cause du gazon, ce qui n'est pas de la même couleur, là. Alors moi, François, je vais y aller de façon un peu plus agressive ici au trou numéro 3. Tu sais, la série de fosses de sable à droite, là, la deuxième est à 232 verges. Donc, si je coupe au-dessus, selon la qualité de mon coup, je devrais facilement gagner du terrain puis m'approcher de la cible de ce côté-là. C'est bon, je te regarde. Bon. Pas tout à fait de ce côté-là, mais non, ça sera pas un problème. Ça devrait être correct. Fosse de sable à gauche. À 272 verges. Le troisième trou est une belle normale 4 de 389 verges. Légèrement coudée à droite, elle propose beaucoup de sable. Ouais. Un petit peu à droite. Ouais. Entre les fosses, dans les fosses. Hop, oh, c'est bon. Reste dans le gazon. Ouais. C'est bon. T'as évité la fosse naturelle. Yes. Le golf est venu comment dans ta vie? J'ai commencé à regarder ça à la télé, par intérêt. Je trouvais les paysages beaux, ça a l'air niaiseux de dire ça comme ça, mais l'image, depuis qu'on a les télés HD surtout, le décor, les joueurs, à force de suivre les joueurs, pas sur le circuit, mais à la télé, ouais. Ben, on développe de l'intérêt pour le sport. J'étais un joueur de tennis aussi. Donc, le golf, je trouvais ça intéressant, sport individuel, moins sport d'équipe, donc je trouvais que c'est un défi contre soi-même. Ah, ben absolument, t'as raison. Puis tu disais que tu regardais ça à la télé. As-tu des joueurs auxquels t'aimais t'identifier? As-tu des joueurs qui t'ont inspiré plus que d'autres? Comme tout le monde un peu, j'ai regardé Tiger Woods, c'est sûr. Actuellement, il y a McIlroy, Jason Day, j'aime bien. Ouais. Bubba Watson aussi. J'adore ma position de balle, François. Tu sais, je t'avais dit que je voulais couper au-dessus des bunkers. J'ai finalement tiré mon coup de départ. Et regarde-moi la belle position de balle que je vais avoir. Pour jouer sur à peu près... À l'œil, c'est à peu près 115 verges, là, mais... C'est 121 verges, mais c'est pas tant la distance qu'il faut se préoccuper ici, c'est la position de balle. J'ai été vraiment malchanceux. J'aurais préféré que ma balle entre dans la fosse de sable parce qu'ici, là, je vais avoir un pied dans le sable, un pied à l'extérieur. Je vais devoir ajuster mon corps à ce coup-là, couper mon bâton. Bref, ça va être un coup assez complexe avec, vous le voyez, là, un verre très bien protégé. Alors, je vais essayer d'inventer un coup. Je pense que ça va être un fer neuf. Je vais essayer ça. Et puis, sincèrement, vous voyez, là, un petit peu à droite du fanion, là, il y a comme une espèce d'ouverture. Je vais essayer d'éviter l'autre fosse de sable qui est devant le trou. Alors, je vais couper mon bâton, vous le voyez, là, de façon assez importante pour essayer de me libérer puis espérer avoir un élan complet. Sans forcer et d'espérer rester en équilibre là-dessus, là. Ça, c'était le danger. Voilà. C'est la vie. Ouais. Je me retrouve en pente descendante, dans le gazon court, avec une fosse de sable devant moi. Et le coup à jouer, c'est un coup lobé. Alors, c'est un coup extrêmement difficile. Je vais devoir sortir le département des miracles, comme on dit, pour essayer d'aller sauver une normale. Face ouverte. Attention. Est-ce que tu arrives à trouver du temps pour pratiquer, pour essayer d'améliorer ton jeu? C'est ça le défi. Là. Souvent, quand je vais jouer, ben, c'est parce qu'on a une ronde organisée. J'ai des amis qui viennent à Québec, donc on planifie des rondes. Mais le défi, c'est justement de trouver le temps de pratiquer pour s'améliorer. Donc souvent, je joue des rondes, mais la pratique, c'est difficile. J'ai commencé à prendre des cours cet été avec ma blonde qui débute en golf. Ah, c'est parfait. Donc j'en ai profité pour me joindre au cours. Donc... pour justement corriger, parce que j'ai appris par moi-même sans prendre de cours au début. Là. Donc, c'est ça. C'est difficile de corriger les petits défauts qui sont acquis. Là. Exact. Après cette pause, nous poursuivons notre ronde de golf sur le Hells Club de Dubaï. Swing.
laisser un peu short. Oh, ça va être pas pire, ça. Oh, nice. On va prendre là. Belle shot. François, il te reste un coup vraiment, vraiment intéressant à jouer. Ouais. Ce qu'on appelle, ce qu'il faut faire, c'est le flop shot du tour. T'es dans l'herbe longue, t'as un obstacle à franchir, t'as très peu de verre avec lequel travailler. Est-ce que t'es à l'aise avec ce type de coup-là? Je l'ai pas fait souvent. Des fois, on le laissait pour s'amuser un petit peu. Je dirais pas que j'ai les mains hyper agiles pour le réussir à chaque fois, mais on peut l'essayer. Moi, je te donne un petit conseil dans ce type de coup-là. C'est lorsque tu vas t'installer avec une face bien ouverte, ouais, c'est de rester très stable sur ta balle. Okay. Ne pas faire de mouvement là, qui va ressembler à un ballon de gauche à droite. C'est que tu t'installes au-dessus de ta balle et tu fais ton élan dans l'axe et tu passes sous la balle. Tu n'essaies pas de la soulever, c'est vraiment la face ouverte de ton bâton. J'imagine que tu as un sand wedge dans les mains. Un lob. Un lob wedge, c'est ça. C'est exactement la lame de ton bâton qui va la faire lever. Puis normalement, devrait tomber délicatement sur le verre. Mais tu peux faire un bon coup de pratique à côté. Ouais. Beaucoup de stabilité dans ta rotation. Tu peux couper ton bâton également pour avoir une meilleure sensation. Parfait. Et passer dans la balle, sous la balle. Excellent. Je sais ça. Puis je vais te donner un autre conseil juste avant d'aller plus loin. Si tu veux que ta balle lève plus rapidement, tu peux mettre ta balle un peu plus sur le pied avant. Là, tu es très, très centré. Okay. Si tu veux que ta balle lève plus carré, plus haut, tu vas un petit peu plus dans l'ouverture du pied avec la face bien ouverte. Comme ça, ta balle va lever très rapidement. Parfait. Ouais! Bien soulevé. Merci. Et c'est sur le verre. C'est un peu long, mais... Tape là-dedans. T'es un excellent élève, en plus d'être un bon invité. Merci. Qu'est-ce que t'aimes du golf? Tu disais que c'est un sport individuel, mais qu'est-ce qui fait que ça vient te chercher aujourd'hui? Bien, le golf, on peut joindre ça au voyage. La preuve, on est à Dubaï. Ouais. Donc, je peux pratiquer ça avec ma blonde aussi, parce que c'est pas tous les sports qu'on est du même niveau. Donc, on peut jouer ensemble sans pour avoir du plaisir autant. Exact. Donc, c'est gagnant sur ce point-là. Ben oui. Et comment tu vois l'avenir? As-tu l'impression que tu vas beaucoup t'améliorer? As-tu l'impression que tu vas mettre du temps et de l'énergie ces prochains temps pour faire d'autres voyages et t'améliorer au golf? Le fait que ma blonde commence, c'est sûr que ça donne une chance, parce que sinon, je dois t'avouer que ça fait une couple d'années que je plafonne parce qu'on joue 8-10 fois, mais si on va pas dans le champ de pratique, c'est difficile d'améliorer son pointage. Mais t'as de quoi t'inspirer aujourd'hui, là? C'est sûr. Ben, François, la bonne nouvelle, c'est que t'as fait un bon coup d'approche, t'es sur le verre, mais il te reste quand même un bon petit roulé. Ouais, j'ai réussi à éviter la fosse, mais effectivement, j'ai un long roulé, ça sera pas, c'est pas gagné d'avance. Mets ça dedans. J'aimerais bien ça. Viens-t'en. Beau pote. Beau pote. Ouais. C'est concédé. Ouais, yeah. Alors, le birdie est fait, puis le bogey sur le trou d'avant est effacé. Ouais, ça va faire du bien au moral. Oui, toujours. Des birdies, ça fait sourire. Alors, trou numéro 5. Bon, ben, ça me prend un bon deuxième course. Le Hells Club fait partie de la Cité du sport de Dubaï. Sur le cinquième trou, une normale 5 de 544 verges, on peut y observer sur les bâtiments en arrière-plan du verre des bâtons de golf, de hockey et de crosse. C'est important de bien s'hydrater dans le désert ici parce qu'il fait chaud pas à peu près. Et le Hells Club, je vous dirais que c'est un mélange de parcours de type links, parcours traditionnel, avec comme toile de fond, vous le voyez, le désert, de nombreuses tours en construction. C'est vraiment typique de Dubaï. Et vous allez constater sur ce parcours-ci également, d'ailleurs, François, notre invité, me passait le commentaire. D'ailleurs, François, tu me demandais, hey, il y a bien des fosses de sable ici. Oui. Il y en a plus de 80 sur ce terrain normal 72 qui s'étirent jusqu'à 7540 verges. Alors, t'imagines, si on jouait ça éloigné, comment ça pourrait être complexe aujourd'hui? Alors ici, c'est une très belle normale 4. On sent le vent du désert entrer sur nous avec le soleil qui plombe. Disons qu'on a chaud, hein? Ça fait du bien, ce petit vent-là. À ton tour. Merci. Super, super. Pas trop loin, mais je la prends. Écoute, en plein centre, tu peux pas te plaindre, là. Non. Moi, je vais prendre un bois 3, François. Parce que j'ai calculé là, que la fosse à gauche est à 262. Je veux pas m'y rendre.
Le verre est complètement sur la droite, là-bas. Et autre information ici, là. Regardez au loin, là-bas, on a l'impression de voir de très, très hauts palmiers. En fait, on a déguisé des tours de transmission en imitant des palmiers. C'est juste pour vous donner une idée de la folie de Dubaï. C'est pas mal là que tu l'as envoyé. Ouais, c'est là que je voulais. L'heure de la récompense. La petite serviette humide glacée du Hell's Club. Ça survient au 7e. Oh! Oh, ça fait du bien. On va aller à la pause là-dessus, la suite, sous la chaleur, après ceci. Dubaï est une ville de démesure et d'abondance. Les gratte-ciels sont nombreux à s'étirer jusqu'au ciel. La modernité est présente partout et l'appel à la prière retentit dans la ville 5 fois par jour pour nous rappeler que nous sommes ailleurs. Lors du tour de ville, nous avons eu la chance de visiter le musée de l'histoire de Dubaï. Cette ville était peuplée de pêcheurs qui vivaient aussi de la récolte des huîtres. Les souks et leurs marchandises locales est aussi prisée des visiteurs. Une traversée de la crique nous amène au marché des épices et de l'or. Ça a été quoi ton coup de cœur, tu dirais, jusqu'à maintenant? L'ascension de la tour Burj Khalifa, c'est quelque chose, là, la plus haute tour au monde, 828 mètres, moins d'une minute pour faire 124 étages. C'est quelque chose, la prise de vue en haut. Tu as pris une journée avec ta conjointe, Sandra, vous êtes allé à la plage. Oui, l'eau était à 90 degrés. On rentre, là, puis c'est quasiment un coup de chaleur quand on rentre dans l'eau. Là. En plus, on avait l'hôtel Burj Al Arab, là, en forme de voile de bateau, ouais. En arrière-plan. Est-ce que tu t'attendais peut-être à un choc? Comment tu avais prévu le coup ici? Là? Bien, c'est sûr qu'on s'est renseigné un petit peu. Ma blonde avait prévu des vêtements un petit peu plus longs parce que par respect pour la culture, mais on croise des gens de toute origine. Chacun s'habille à leur façon, puis tout est dans le respect, puis c'est super. Dubaï, c'est aussi The Palm, une presqu'île artificielle en forme de palmier. Il s'agit de résidences personnelles et de villas. On y retrouve aussi l'hôtel Atlantis, une structure très imposante en bordure de mer. De toutes les activités à faire à Dubaï, il faut absolument que vous essayiez l'excursion dans le désert d'Arabie. Du sable à perte de vue sur 8000 km². Nous, on part en safari dès maintenant. Nous avons pu explorer les montagnes Hadjar et la zone Hatta des Émirats arabes unis en 4x4. Notre chauffeur Rosario est vraiment un expert de la conduite dans les dunes et a su nous montrer son talent. C'est vraiment toute une expérience. You're the man. Yes, sir. Le tout ouvre l'appétit et c'est parfait, car nous nous sommes arrêtés prendre un souper dans un wadi où un repas copieux nous attendait. La soirée s'éternise avec un spectacle local tout en musique et en couleurs. Ainsi que se termine cette émission de Golf Mag, c'est vraiment hors de l'ordinaire et c'est avec notre gagnant François et sa conjointe Sandra qu'on vit une super expérience avec un dromadaire en plein désert d'Arabie. Comment vous avez aimé votre expérience ici à Dubaï? C'est incroyable. Jusqu'à date, là, c'est super. On n'a rien à redire. Les activités, c'est intense. À refaire? Intense à refaire. Puis on remercie le groupe Voyage, la forfaiterie, là, pour nous avoir fait vivre ça. Puis l'équipe de Golf Mag, là, c'est super apprécié. Ben alors, bon, belle randonnée en dromadaire. Puis à nos téléspectateurs, on se revoit bientôt pour une autre émission de Golf Mag. Allez, bonne randonnée. À dos de dromadaire dans le désert. Ouh! Ah, pardon! OK. Wow! À la prochaine!
GolfMag vous a été présenté par la forfaiterie Voyage Optimum. Cette émission a été enregistrée sur les sites du Golf Health Club. Dubaï, c'est la ville des extrêmes. D'abord, en termes de température, en plein été, le mercure peut dépasser les 50 degrés Celsius. Mais si vous êtes tanné de cette canicule, de cette humidité, bien, sachez que vous pouvez aller dans l'un des nombreux centres commerciaux. Il y en a même un qui propose un centre intérieur de ski, une piste de 400 mètres de longueur avec remontée mécanique et même la location d'équipements. On aura tout vu.